C'est vraiment l'année du décollage de Lucas Pouille. Il a que 22 ans, il est que 25e mondial, entre guillemets. Et là, il est dans les 8 derniers du US Open, après avoir fait un quart précédemment à Wimbledon. À 2-7 partout, il y a eu un 5e set. Pouille a été breaké le premier, il a perdu son service le premier, il a été mené 4-2. Et puis là, il ne s'est jamais démonté, il a recollé au score et finalement il l'a emporté dans le jeu décisif, le tie-break du 5e set. Capouille, c'est un jeune homme donc originaire du Nord. Il présente la particularité d'être franco-finlandais, sa mère est finlandaise. C'est le premier joueur complètement moderne que la Fédération française ait produit. Ça n'a pas un coup qui se détache, mais qui en revanche est très complet et très performant dans tous les domaines. Et sa progression, elle est quand même assez spectaculaire. Il est rentré dans le top 100 qu'en fin d'année dernière. Cette année, il a quand même battu 4 top 10. Donc le voilà en quart de finale. Ils sont 3 Français en quart de finale. Joe Wilfried Tsonga, Gaël Monfils et Lucas Pouille. Et il se trouve que Lucas Pouille et Gaël Monfils vont s'affronter en quart de finale. Selon toute vraisemblance, il sera le chef de file de la génération suivante. Voilà, Pouille, c'est vraiment l'avenir et ça part déjà assez vite, quoi.